Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne les gars, donc sur du Clash Royale comme vous pouvez le constater sur l'écran. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, bah, nous sommes partis, voilà, je vais vous proposer une petite vidéo concernant mon deck. Voilà comment va se construire avec le sorcier de glace, avec la rage, juste ici avec le niveau 11. J'ai mis le mousquetaire, je trouve qu'il est plutôt pas mal. La sorcière pour essayer les contre-attaques. Mon mini PK, bon bah voilà, vous savez très bien de quoi il en est. Le bombardier, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'en avais plein le cul, qui est plein de petits squelettes et tout ce qui suit. Je peux dire, bah pourquoi tu mets pas la bûche? Alors la bûche, c'est bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le seul souci, c'est que, voilà, c'est qu'il fait pas assez de dégâts par rapport à un bombardier qui a un peu plus de vie, on va dire ça comme ça. Et qui fait extrêmement mal. Voilà, surtout que c'est un dégât de zone, donc ça va me permettre de pouvoir faire, regardez, voilà, juste ça, hop. Déjà tous les petits squelettes et tous les petits bombards, petites barbares, pardon, et ben, ça va pouvoir les éclater assez rapidement. Le joueur phare de mon deck, c'est quand même l'électro-sorcier, donc j'en ai marre de tomber sur des méga chevaliers, des zappies et tout le bordel, là. Voilà. Tout la fanfare, donc j'ai mis le truc justement pour ralentir, etc. Ainsi pouvoir contre-attaquer assez rapidement. Et pour finir, mon mineur, voilà, qui est très important dans ce deck, c'est-à-dire que voilà, s'il reste un peu de vie, c'est pour détruire un maximum la tour avec avec ses petits dégâts. Voilà, je sais plus combien il tape en plus. Est-ce qu'on peut le voir là ou quoi? Voilà, donc 176 de dégâts, et sur la tour il tape du 53, voire du 59, pratiquement du 60 en dégâts, donc ce qui est pas dégueu, sachant qu'il a quand même un maximum de vie. Donc voilà, je vais vous proposer ce petit deck, en espérant que ça vous plaise. Voilà, je vais vous expliquer comment tenir, etc. Après, vous allez me dire, il y a des meilleurs decks, et en plus je tombe sur un niveau 10, donc ce qui va me permettre de vous montrer à force égale, en espérant que je ne trouve pas trop... Voilà, justement, voilà, le Vega Chevalier. Je vais vous montrer comment le contre-attaquer. Vous mettez votre sorcière un peu plus loin ici. Si on se trouve faire ça, je vais me faire littéralement éclater. Mais ça se passe plutôt bien quand je fais ça. Mon sorcier. Voilà. Et mon mini PK. Voilà, pour faire le taf. Ensuite, pour contre-attaquer, vous mettez votre démineur. Si vous l'avez, bien évidemment. Si vous ne l'avez pas, bah, vous attendez. Hop. Voilà. Là, il est dans la sauce. Voilà. Vous avez vu déjà le peu d'attaque. Une attaque. Hein. Hop. Voilà, justement. Mon bombardier qui fait son taf. Là, je vais peut-être pouvoir lui niquer sa première tour. Bien. Voilà, mon sorcier de glace qui fait son taf. Et voilà, première tour, déjà bien détruit. Voilà, c'est vraiment... on va dire que c'est un deck vraiment défensif. Et après, vous gérez pour pouvoir l'éliminer rapidement. Donc voilà, justement, je vais mettre mon mousquetaire qui va me permettre de détruire un maximum ce petit ballon de squelette, là. Voilà. Et puis, ça se déroule comme ça. Le mieux, c'est contre-attaquer avec ce deck. Comme vous avez pu le constater, ah bah voilà, justement, là, vous allez me dire, ah mais t'es dans la sauce là mon petit Nico, ben non, vous allez voir, ah petit sorcier, hop, voilà, très bien, c'est normal, de toute façon j'avais pas tout ce qu'il faut, et mon bombardier qui va lui faire la queue, voilà, très bien, hop. Vous avez vu, j'ai pas trop perdu en plus de ça, donc ce qui m'a permis de gérer ma tour. Donc nickel. Hop, je vais le narguer un peu, comme je suis un petit fumier de lapin. Voilà, très bien. Là, je vais taper sa tour. On va mettre mon démineur, pas mon démineur, mon mineur ici. On va le taquer sa tour de côté. Alors, on va mettre un peu de pression. Hop, avec mon sorcier de glace, il me reste 25 secondes à tenir. Allez. Normalement, c'est ok. À 3 poils de cul, mais ça l'a fait.
Donc franchement, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, nickel. Ouais, il me restait plus que 50 sur la tour. Donc voilà un peu comment se déroule à peu près ce deck. Je vais vous refaire un petit... encore un petit schéma. En espérant que ça se passe plutôt bien comme celui-ci. Voilà, hop. 4697, bientôt les 7000. Hop, on va lancer. Eh ben non, j'ai pas lancé. Tant pis. Hop. Allez, on est reparti avec le mousqueton. Donc là, je suis contre un niveau 9, donc on dirait que j'ai un peu plus de chances de gagner. Mais bon, c'est pas grave, ça me permet de vous montrer un petit peu... Ah, ben, je fais la rage. Par contre, c'est quand il veut. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais lui faire quand même le cul. Voilà, PK. Très bien. Vous avez vu déjà, il avait pu lancer son ballon, il a mis sa rage, normal. Donc là j'ai mon premier tour déjà éliminé pour mon adversaire, donc on va essayer de le mettre là. On va se la jouer comme ça ici. Là j'ai une tête, on dirait que je sors de prison quoi. Pardon. Et hop, pareil, même chose, la sorcière et le petit mousquetaire. Vous avez vu, c'est que de la défense. On va le laisser faire tranquille. Je pense qu'il va me mettre soit un sorcier ou un PK ou un dragon. Bah, écoute, hein, si tu mets ton dragon, pas de problème. Ça ne changera rien. Hop, mon bombardier. Voilà, qui va faire son petit taf, tranquilloche. Voilà, hop. Allez, jette ta bombe. Il a pas voulu jeter sa bombe, c'est pas grave. Est-ce que je contre-attaque ou pas? On va rester tranquille. On va pas précipiter mamie. Là, mon mineur, voilà, qui tape, tranquille. Là, qui jette son petit dragon sur le côté, normal. Qui va mettre, voilà, le dragon, c'est normal, il va retenter la même chose, la base. Mais je me ferai pas avoir, mon petit poulé. Quoi? Ouais, j'ai eu peur. Allez, on lui fait le cul. Allez. Et voilà, les trois tours. Bon bah écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On aurait pu avoir les trois couronnes. On lui a fait le cul, donc ça tombait très très bien. Donc là, je passe à 4727. Très très bien. Hop, on va récupérer la petite récompense. La récompense. Palier débloqué, nickel. Hop, on va récupérer les 50 cartes. Merci, jeune homme. Hop. Ouais. Qu'est-ce que tu me proposes là? Ouais, 66. Ça pue du cul. Ça, c'est pas mal. Et bon, bah voilà. Nickel. Bon, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour essayer d'atteindre les 5000 trophées. Voilà, je vais essayer de faire un bon gameplay et vous proposer quelque chose à ma juste valeur. Allez, ciao les poulets. À la prochaine.